Un jour, je suis allée à Verdun. Ce nom sonnait depuis les livres d'histoire, cruel, fascinant, mystérieux. Verdun. Je l'avais rencontré dans les romans sur la Grande Guerre, où les descriptions cruelles fusaient comme des coups de canon, des obus d'une incommensurable violence, et traversaient le temps. Étonnée, dérangée, incrédule, je suis donc allée sur les terrains des combats. Et j'ai vu les cratères immenses, les sols dévastés, avec des trous creusés de partout que rien n'avait pu combler. Rien. Sauf mon imagination, qui retraçait malgré moi, avec une impeccable précision, les corps des hommes vivants, projetés à 50 mètres dans le ciel. Le soir, avec une émotion vive, j'ouvre au hasard le recueil de Maurice Genevoix, ceux de 14. Je lis, page après page. Je ne dors pas. Je sais désormais que cet écrivain immense va devenir mon compagnon de route. Son écriture m'emporte, en brûlant toutes les frontières de la guerre, de la mort, de la vie. Il pose juste les mots sur les choses et je les vois. Toutes. Les combats, les hommes qui meurent, la peur, la pluie, le froid, et toujours, toujours la nature qui demeure. Abîmée, déformée, mais présente. Un bout de ciel, une fleur sauvage, un feuillage par-dessus le soleil. Le mémorial de Verdun organise depuis plusieurs années ce qu'ils ont élégamment nommé les chemins Genevoix. Des jeunes venus de partout parcourent les collines des Éparges où se déroulèrent de si violents combats. Ils regardent, arpentent, se taisent, se souviennent, apprennent. Difficile de se rendre compte qu'avant eux, des milliers de jeunes se sont battus ici et y ont disparu. La justice? Vous me faites marrer. Cette crête-là, rien que cette crête-là, elle est assez gourmande pour avaler un régiment. Premier, deuxième, troisième bataillon. Vous en faites pas, il y aura du plaisir pour tout le monde. Plus vous aurez trinqué, t'entends? Plus vous aurez fait vos preuves, comme ils disent? Plus on vous fera trinquer encore. La voilà aujourd'hui, la justice. Vous êtes des troupes, sûres, pardi. Vous êtes un régiment d'élite. Ça fait riche, c'est décoratif. Alors vous plaignez pas si on vous fait payer un peu cher. Ils ne répondent rien. Durosier, déçu, s'acharne davantage. Est-ce que vous vous rendez bien compte? Dit-il. On est ensemble, une dizaine ensemble. On cause, on s'entend causer. Et dans 8 jours, c'est pas long, 8 jours. Et les autres à l'arrière, qui vous attendent? Ah non, assez! Ça suffit, t'entends, Durosier? L'homme s'est aventuré trop loin. Il a senti au frémissement des voix qu'il ne lui restait qu'à se taire. Et il se tait, raballant son fiel. Aucun d'eux n'osera plus parler. On a touché au plus profond, au plus secret d'eux-mêmes. Cela palpite en chacun d'eux. Et chacun, même ce soir, 8 jours avant l'assaut qui menace, est le maître ombrageux de son cœur. Leur pensée, qui se vantera de jamais les connaître? Je sais que nous nous ressemblons tous. Je sais aussi que j'ai voulu être près d'eux, et qu'ils me sentissent près d'eux. À cause de cela, parfois, j'ai cru que leurs yeux se livraient. Leurs pensées, est-ce que je sais? Ce qui m'a ému dans leurs yeux, n'était-ce pas un reflet de moi-même? Eux et moi, chacun de nous et tous les autres. Et pour moi seul, ce monde caché de souvenirs et d'espoir, ce monde prodigieux qui mourra si je meurs. Et pour chacun de tous, un autre monde que je ne connaîtrai jamais. Visage des souvenirs, murmure de voix qu'on est seul à entendre, tiédeur des rêves, forme et légère d'espoir glissant parmi les souvenirs. Ils me ressemblent, leurs yeux me l'ont dit quelquefois, mais rien de plus dans l'échange furtif d'un regard, rien qu'une lueur émouvante entre deux infinis de silence et de nuit. Genevoix, il a un besoin de vérité absolue qui passe tout.
Il met la littérature, un très grand art littéraire, il le met au service de la vérité. De telle sorte que ceux de 14 est un chef-d'œuvre de la littérature française, et en même temps c'est un témoignage exact de ce qu'on subit, de ce qu'on fait les hommes qui étaient avec Maurice Genevoix et l'homme qui était Maurice Genevoix. Tout ce qui est dans ceux de 14 est absolument exact. Les seuls choses qui ne sont pas exactes, sauf pour un, c'est le nom des combattants, évidemment, parce qu'il a publié ses textes à chaud pendant la guerre et juste après la guerre, et les parents des hommes ou les femmes des hommes qui meurent près de Maurice Genevoix étaient toujours vivants. Et les conditions dans lesquelles ils meurent, dans beaucoup de cas, sont insupportables. Donc le reste, c'est la vérité. La vérité est le grand art. Il y a là quelque chose d'exceptionnel. Et pour que ce soit vraiment la vérité, il faut que ce soit du grand art. Et ces deux choses-là, Genevoix, les exprime pas, il l'est. C'est à la fois très beau, très vrai. La nuit vous entre dans les yeux. On n'a plus que ses mains nues, que toute sa peau offerte à la boue. Elle vous effleure les doigts, légèrement, et s'évade. Elle effleure les marches rocheuses, les marches solides qui portent bien le pas. Elle revient, plus hardie, et claque sous les paumes tendues. Elle baigne les marches, les sape, les engloutit. Brusquement, on la sent qui se roule autour des chevilles. Son étreinte, d'abord, n'est que lourdeur inerte. On lutte contre elle et on lui échappe. C'est pénible. Cela essouffle. Mais on lui arrache les jambes, pas à pas. Elle les reprend, de son étreinte invisible, à petites vagues lécheuses. Les pages de ceux de 14 filaient entre mes mains et m'entraînaient avec les hommes, avec leur boue, avec leur soleil, leur rire, leur désespoir. Je me rendais à l'évidence, rien ne serait plus jamais comme avant. Par sa présence insondable, Genevoix avait su me transformer, plus consciente, plus libre, puisque lui-même avait fait ce chemin. Grièvement blessé le 24 avril 1915 sur la crête des Éparges, il frôle la mort. S'en suivent de longs mois de convalescence, où il est transporté et soigné d'un hôpital à un autre. Désespéré, il songe à ses hommes restés sur le front, à leur courage, à leur sacrifice. Ce que nous avons fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait, écrira-t-il. Lorsqu'il était sur le front, il adressait des lettres à son professeur de l'école normale supérieure, Paul Dupuis. Maintenant qu'il s'est retiré des siens, il se tait, meurtri jusqu'au plus profond de son âme. Comment dire l'indicible ? Paul Dupuis insistera longtemps pour que cet indispensable témoignage voie le jour. C'est un homme remarquable, Paul Dupuis. D'ailleurs, c'est un géographe. Il était secrétaire général de l'École normale supérieure à Paris. Et il avait demandé à tous les élèves qui partaient à la guerre, et ils partaient tous à la guerre, de lui écrire et de lui raconter ce qu'il voyait à la guerre. Il avait évidemment le sentiment qu'il allait avoir là une source d'information considérable. De première main, il savait aussi très bien que ce n'est pas dans les journaux qu'il trouverait la vérité, mais que c'est certainement dans les lettres que lui adresseraient ses élèves. Et donc il a reçu, effectivement, tous les élèves lui ont écrit. Et parmi ses élèves, il y avait Maurice Genevoix. Et très vite, Dupuis s'est aperçu que les lettres les plus intéressantes, les plus vives, celles qui rendaient le plus la réalité, qui donnait le plus l'impression de la réalité, c'était celle de Maurice Genevoix, et de très loin. Et donc, lorsque Maurice Genevoix a été blessé, il est allé le voir quasi immédiatement, aussitôt qu'il était visitable à l'hôpital, et il a dit à Maurice Genevoix, « Vous devez écrire. Il faut que vous écriviez maintenant ce que vous avez vu. » Alors, Genevoix était très souffrait énormément, très atteint, il avait encore peur de perdre son bras à ce moment-là, et il ne pouvait pas, et il ne voulait pas, il était comme sous le choc encore. Et Dupuis est revenu plusieurs fois le voir à l'hôpital, et Genevoix a résisté pendant très longtemps.
Et c'est seulement une fois en convalescence, 6 mois après, à la fin de l'année 1915, lorsqu'il est revenu en permission à Paris, Dupuis l'a entraîné chez Hachette et lui a dit, voilà, là tu signes là, le contrat est prêt. Genevoix lui a dit, mais j'ai rien écrit. Et bien justement, tu vas t'y mettre. Et donc, le Genevoix a signé pour l'édition d'un livre qui n'existait pas et qu'il a écrit en 2 mois. On ne peut se promener en ces lieux, on les parcourt gravement. Comment peut-on les arpenter autrement que la pensée fixée sur ces entonnoirs, sur ces monuments, sur ces croix? Le recueillement silencieux du pèlerin est, de temps à autre, troublé par le croassement du corbeau et le piaulement de la buse. Au début de 1915, d'autres bruits, bien plus sinistres, incessants, montaient de ces espaces ravagés. C'étaient des cris de souffrance et d'agonie. C'étaient les sanglots du soldat implorant sa mère pour venir le bercer et calmer ses douleurs. C'étaient des appels à l'aide de ces hommes gisant trop loin des camarades et trop proches de l'ennemi pour être secourus. C'étaient des plaintes mêlées de sonorités tudesques et d'accents du terroir français. Parfois aussi, c'étaient des gémissements lancinants devant l'inéluctable, l'inexorable, l'incommensurable. L'averse passe et lentement dévoile les prés mornes que des trous d'obus éclaboussent. On est là. On y restera 3 jours. Et puis l'on descendra vers Rupt. On remontera de Rupt vers Calonne et de Calonne encore vers les Éparges. On ne se révolte pas. On accepte toutes les heures. Et ce soir, sans rien dire, on se couche sur le bas-flanc. On allume l'une à l'autre des cigarettes qui ne finissent pas. On regarde, sur une feuille de papier blanc, ses mains dures et gercées. Chacun pour soi, on laisse son cœur se gonfler de souvenirs. On n'a point honte d'avoir le cœur lourd. Maurice Genevoix m'appelait. Et avec un étonnement grandissant, je me laissais faire. La guerre, la mort, la peur, les monstrueuses souffrances humaines n'avaient pas dévasté son âme, mais l'avaient au contraire alerté d'une immense urgence à vivre, à aimer,
Le monde était là, avec ses couleurs, ses formes, ses parfums. Une indiscutable symphonie pastorale coulait dans ses veines et il m'apprenait à voir, telle quelle, la magnificence de la nature. Chaque roman parcouru, La Dernière Harde, Rémi Desroches, Roux, 30 000 jours, me plongeait un peu plus dans le cœur du monde et ouvrait page après page les portes secrètes du bonheur. Savoir contempler le moindre petit rien. Sans rien oublier de la guerre, mais sans rien oublier de la vie. Cet appétit effréné transportait les héros de ses livres, comme l'histoire de ce chat, Roux, enfui de chez lui pour vivre libre, enfin, même s'il risquait un jour de payer le prix cher de ce goût d'absolu qui sublimerait son existence. Une existence choisie. En ce seul jour, il avait tout appris. Sa vie, au détour de l'hiver, avait lutté, solitaire dans le monde, parmi les choses vraies qu'il avait jusqu'alors ignorées. La misère et la joie d'être un vivant qui marche sur la terre. Il les savait maintenant, par la veille et par le repos, par le cri de la passe buissonnière qui volette dans le roncier, par le trou sablonneux du terrier, par le murmure de l'eau qui goutte dans la fontaine au bout de la rigole de pierre. Et il savait aussi l'immensité du monde, les ondulations des labours où l'alouette court dans le sillon, l'orée du bois que surveille le busard, le clair de la vallée où se groupent les maisons des hommes. Il marchait à son gré par le monde, humait le vent glacé du fleuve qui rebroussait au loin l'eau glauque, s'abritait de la pluie sous les aiguilles du pin, dormait sous le dais de broussailles qui couvrait le fossé comme un toit. Et la distance n'était plus rien, ni le temps, qui joignait dans l'espace la rose aurore au crépuscule violet. D'abord, c'est quelqu'un d'une très grande vitalité. Enfant, il était déjà comme ça, hein, à la fois réfléchi, méditatif, mais plein de vie. D'ailleurs, un athlète accompli, hein, il a fait le bataillon de Joinville. Donc, un homme rempli d'appétit. Et un jeune homme rempli d'appétit. Il est mobilisé à 23 ans, il part à la guerre, et il part à la guerre avec cet appétit-là. Il fait la guerre avec cet appétit-là. Ça a été un soldat redoutable et un excellent officier. Il part à la guerre avec cet appétit-là, il vit dans la guerre avec cet appétit-là, avec parce qu'il y avait des moments de détente, avec cette joie de vivre avec les autres. Et la mort le frôle, il voit d'autres hommes mourir, et il n'en conclut pas à la relativité de l'existence. Il en conclut au contraire à son caractère absolu. La Bréhaigne, de ses longues incisives, coupait déjà les feuilles du lierre qu'elle engloutissait par grosses touffes. Une fois de plus, l'alarme était passée. Elle vivait. Les feuilles du lierre étaient tendres et fraîches. Les battements de son cœur se calmaient. La salive lui coulait dans la gueule avec le suc un peu acide des verdures que ses dents broyaient. La harde décimée restait nombreuse encore autour d'elle. La biche longue, la gorge blanche, avaient chacune retrouvé leur petit. La troisième biche, l'aile, glissait de son pas aérien sur la pente ensoleillée, tandis que les verdets caracolaient déjà sur sa trace. Les grands mâles, les plus âgés ensemble, s'étaient mis aussi à brouter. La Bréhaigne, entre ses coups de dents, les voyait tous du coin de l'œil. Le vieux des Orphos, d'abord, l'oreille coupée, que les hommes avaient pris tout petit et renvoyé à la forêt avec une entaille à l'oreille. Le bigle, dont la pupille gauche était marquée d'une lourde tache brunâtre. Et aussi l'épinoir, avec la ligne de poils rêches et sombres qui lui courait le long de l'échine. Et encore la tête rouée, reconnaissable à ses andouillés trop serrés, rejetés en arrière comme des branches à demi brisées. Il faisait calme. Le soleil tournait dans le ciel. On continuait de n'entendre aucun bruit, qu'un ébrouement par intervalle et le pas lent des bêtes apaisées. Cette intensité de vie, la guerre ça a été ça aussi, cette immersion dans la nature, l'obligation de vivre dans des conditions primitives, dans la terre, littéralement couché dans la terre, comme des bêtes, ça,
lui qui était un citadin, enfin un normalien, devenu parisien, ça l'a en quelque sorte rendu plus proche des choses et des êtres. C'est certain que ces dispositions naturelles qu'il avait vers la vie, cette appétence qu'il avait pour les choses de la vie, elle s'est accrue par le fait de la guerre et aussi parce qu'il a survécu et parce qu'il a vu d'autres hommes perdre la vie à ce moment-là. Il s'en est trouvé comme augmenté. Maurice Genevoix ne garde rien pour lui. Il observe, transcrit, partage. Les yeux grands ouverts, il écrit ce qu'il voit tout autant qu'il le dessine. Une autre grande passion. Il donne à voir, il offre ce qu'il regarde aux autres, tout simplement. C'est la conscience permanente de la nature, même au milieu des bombardements les plus terribles, qui l'a sauvé. Alors il lui rend hommage. Puis il nous appelle, nous aussi, toutes générations confondues, à lui rendre hommage. Précurseur de l'écologie, bien avant que le mouvement ne porte ce nom, il attire notre attention au plaisir de voir, sentir, deviner, écouter. Une indispensable survie de l'âme, qu'il transposera dans un de ses plus beaux romans à mes yeux, La dernière harde. Cette écriture qui me fait grandir m'emmène sur ses pas jusque dans sa maison des Vernelles. Un jour qu'il se promenait au bord de sa Loire, il avait deviné, à demi caché entre les arbres, une petite mansarde. Une vieille maison, rêveuse, pleine de mémoires et souriant à ses secrets, confiera-t-il sur elle. Elle deviendra son refuge. D'ici, il écrira la plus grande partie de son œuvre. Même si sa notoriété l'emmena pendant 17 ans secrétaire perpétuel de l'Académie française, mission dont il s'acquitta avec beaucoup de passion, il démissionnera pour revenir à sa chère maison, entouré de sa petite famille, et d'où il pouvait à chaque instant admirer sa Loire. Une Loire sauvage, indomptable. En découvrant les Vernelles, dont sa fille Sylvie m'avait parlé avec tant d'élégance, je comprenais qu'aucun d'eux n'en serait jamais vraiment parti, et que la mort ne pouvait décidément rien contre ceux qui ont aimé. Vivre. Lorsque l'on a survécu, c'est constamment survivre en effet. Et ne pas seulement cueillir le jour qui passe, mais l'accueillir comme une révélation. Celle même qui m'a ébloui, mourant, lorsque le rideau de cuir noir clos sur les ténèbres et l'horreur s'entr'ouvrait sur le ciel et le monde, sur le point brillant d'une étoile. Il m'a été reproché quelquefois d'abuser du pathétique. J'accepte le reproche, mais je plaide l'innocence. Je suis devenu ainsi. C'est bien un survivant qui a écrit mes livres, qui trace en cet instant ses lignes. Et voici maintenant un aveu. Si j'avais le pouvoir de faire qu'il en soit autrement, je refuserais de l'exercer. Entre ces lignes, emplies de poésie, je rencontrais, vagabondes et passionnées, quelques bribes de sa vie. C'était un peu comme une invitation à entrer, complice, dans sa famille. Sa seconde femme, Françoise, qui l'avait aidée à reconstruire les Vernelles, souillées pendant la guerre par les Allemands. Leur fille, Sylvie, un écrin de lumière avec sa petite Charlotte. Il m'ouvrait délicatement les portes de ce monde privilégié et rare, où les hommes aiment à se regarder, à s'apprendre, à se comprendre. L'Académie française lui fit côtoyer les plus grands hommes de son siècle. Avec certains, il aimait à partager une amitié sincère, une amitié dont la vérité était indispensable. Lui qui avait connu la si violente douleur de perdre, si jeune, la plupart de ses camarades. Les relations devaient être profondes ou ne pas être.
L'Académie l'envoya aussi en mission dans de nombreux pays. Il aimait profondément cette immersion au sein d'autres cultures. Ce qui l'intéressait avant toute chose, c'était l'homme, avec toute sa palette de profondeurs insondables, de rêves secrets, ses préoccupations, ses souffrances, ses revendications, ses choix. L'homme, toujours, dans son intrinsèque dignité, et que Maurice Genevoix prenait tant de plaisir à immortaliser sur des photos. Parce que le témoignage, toujours, lui apparaissait indispensable. Il fait tout à fait nuit maintenant. Des voix montent de l'entonnoir, des voix gémissantes qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Je me suis allongé près du commandant Sénéchal et j'ai jeté sur moi une loque noire que j'ai ramassée, la pèlerine d'un mort sans doute. Ce n'est pas une nuit très sombre. Chaque fois que j'ouvre les yeux, je retrouve près de moi la forme écroulée de Sénéchal et près de lui celle de Carichon, son adjudant de bataillon. « Demain, murmure le commandant, je vous garde, puisque Chabredier et Roland sont montés avec Rebière et que votre tranchée est vide, je ne veux pas vous y renvoyer seul. J'ai besoin de vous pour une reconnaissance. Reposez-vous cette nuit, ne vous faites pas tuer demain. » Il parle posément, chaque fois que sa plainte chevrotante veut bien le laisser parler. Un mot, et puis un autre mot. Entre chaque mot, son souffle fait grelotter ses lèvres d'une même chanson traînante et lugubre. Il ne parle plus, il demeure sans mouvement, aspire l'air qui siffle dans sa gorge et le renvoie par saccades chantantes sur la même note depuis des heures. Les voix gémissent toujours, les cris montent et tremblent dans la nuit, tous les cris autrefois entendus. Brancardier, les brancardiers! Pousse-toi, pousse-toi. Oh, il me tue, mais poussez-le à la fin qui m'écrase. Carichon s'agite sur place. Il murmure d'une voix caverneuse. Ce qu'on peut s'emmerder quand même. Chantonne toujours Sénéchal. Il fait très froid. Une froidure d'après la pluie, terrible aux pauvres chairs lacérées. Ils crient maintenant, ils clament la souffrance de leur corps. Mon pied coupé, mon genou, mon épaule, mon ventre. Il y en a un qui gémit doucement au partout. Regardez, j'en ai compté 17 déjà. Plus de pouces, 4 ou 5 dans la cuisse et ma joue. Retournez-moi, vous verrez, j'en ai partout. Sous la loque noire qui me couvre, une odeur de caoutchouc rance me colle au visage comme un tampon. Mes mains brûlées me cuisent et leur peau gonflée se détache, mes pieds gèlent, je ne sens rien. Tant les voix crient autour de moi, tant l'entonnoir rempli de nuit blafarde, vacille et hurle de souffrance. Lieutenant Genevoix, mon lieutenant, il m'appelle, moi, à présent. Qu'est-ce que je peux descendre, monter, m'accroupir près d'eux ou m'asseoir? Et toute la nuit dire des mots inutiles, puisqu'il fait froid, puisqu'ils sont seuls, puisque les brancardiers ne viendront pas. Mon lieutenant, vous me couperez bien la jambe, vous, chabot délire. Ses deux mains agrippent mon bras. Il me parle d'une voix suppliante, une angoisse de désir fait trembler. Mon couteau, prenez mon couteau. Il a bon fil, elle tient si peu. Moi, je n'ose pas. Prenez-le, mon lieutenant, un tout petit coup, elle ne me fera plus mal. Et Biloré, chétif, forme dolente, délire aussi, et m'injurie. Tu cannes, pas un ami, pour une fois que tu pourrais. Qu'est-ce que ça te coûterait d'appuyer sur la détente? Donne-le au moins, moi, je pourrais. Oh, vous ne vous figurez pas, répète petit Briffaut, que je crie, les brancardiers, les brancardiers, les brancardiers, que je crie encore, bon Dieu! Toute la nuit, et je n'ai plus rien à dire. Carichon, près de moi, se tourne et se retourne. Il songe tout haut, la voix morne et placide. J'ai passé le concours d'officier d'administration. Je devrais être officier d'administration. Moi, oui, moi. Il se serre contre moi, dos contre dos.
Cherchant la chaleur de mon corps, il murmure « J'aime mieux vous que le commandant, vous savez, c'est la jambe de l'entendre chanter. Et il y a une pièce que ça dure. » Il est le dépositaire d'hommes qui ont disparu tout jeune, entre 20 et 30 ans, qu'il a bien connu et qu'il a aimé. Parce que lorsqu'on vit avec des hommes pendant quelques mois aussi proches et dans de telles conditions d'épreuve, les liens qui se nouent sont extrêmement forts. Et donc il s'est trouvé, lui, à 24 ans, dépositaire de dizaines, de centaines de vies d'hommes qui étaient près de lui, qu'il a aimé. Avoir 24 ans et porter cette charge, c'est considérable. Et lui, il a trouvé cette solution en les mettant dans un livre. C'est-à-dire qu'il s'est déchargé, il a déchargé son âme des âmes qu'il portait en les mettant dans un livre. Il ne les a pas pour autant oubliées, elles sont restées en lui, mais c'était devenu supportable. Notre guerre, vous et moi, quelques hommes, une centaine que j'ai connus. En est-il donc pour dire « la guerre est ceci et cela » Ils disent qu'ils comprennent et qu'ils savent. Ils expliquent la guerre et la jauge à la mesure de leur débile cerveau. On vous a tué, et c'est le plus grand des crimes. Vous avez donné votre vie, et vous êtes les plus malheureux. Je ne sais que cela. Les gestes que nous avons faits, notre souffrance et notre gaieté. Les mots que nous disions, les visages que nous avions parmi les autres visages, et votre mort. Vous n'êtes guère plus d'une centaine, et votre foule m'apparaît effrayante, trop lourde, trop serrée pour moi seul. Combien de vos gestes passés aurais-je perdu, chaque demain, et de vos paroles vivantes, et de tout ce qui était de vous? Il ne reste plus que moi, et l'image de vous que vous m'avez donnée. Presque rien. Trois sourires sur une toute petite photo, un vivant entre deux morts, la main posée sur leur épaule. Ils clignent des yeux, tous les trois, à cause du soleil printanier. Mais du soleil sur la petite photo grise, que reste-t-il ? Où allez-vous, jeune voix ? Mon commandant, je vais chercher les brancardiers. Mon pauvre ami, restez là. C'est vrai, je ne peux que rester. Rester blotti encore sous la pèlerine de caoutchouc. Gardez les yeux ouverts, écoutez en reconnaissant toutes les voix. Il y a Chantoiseau, le jeune, qui recommence tout haut le compte de ses blessures et d'heure en heure en découvre une nouvelle. Il y a Petit Bru qui ne cesse de hurler. Il y a Jean qui ne dit rien, immobile sur le dos, mais qui tousse par longues quinzes exténuées et tourne un peu la tête pour cracher les cailloux qui l'étouffent. Et Gobert, et Borin, et Chabot, qui délire toujours, clapant de la langue et menant ses chevaux derrière sa charrue, dans son champ. Dia, allons, petit, dia. Son délire tombe tout à coup, et il m'appelle encore, affolé de désespérance. Mon lieutenant, oh, c'est terrible. Si vous aviez la jambe coupée, vous, mais moi, de l'assistance. Un valet de culture qu'on nourrit pour le travail qu'il donne. On ne voudra plus de moi. On me foutra dehors de partout. Ah, oh, mon lieutenant. Et la nuit dure toujours. Tandis que je vais, de l'un à l'autre, de loin en loin, blotti sous la pèlerine, les mains cuisantes, les tempes martelées, les jambes mortes de gelure. Est-ce le jour, cette pâleur dans le ciel, ces guenilles de nuages qu'on aperçoit rôdant si haut, et ces infimes choses noires qui tombent, vertigineuses, et tonnent en éventrant la terre, elles ont pourtant frappé toute la nuit sur la crête, mais nous les entendons maintenant, pour toute la nuit. C'est le jour. Une taie de blême clarté coule à la surface du sol, le modèle barbarement par-dessus les formes humaines, les débris et les saletés.
Il m'a ému. Il m'a ému profondément. Ce 14 est un livre, c'est une œuvre extrêmement émouvante, bouleversante. Il y a énormément de pages où on est ému jusqu'aux larmes et, par la manière dont il raconte des choses terribles, des choses émouvantes, et des choses qui sont grandes aussi. Hein. Il montre la grandeur, il montre la petitesse, il montre la brutalité, mais aussi il montre la grandeur des hommes dans l'épreuve. Ça, c'est extrêmement émouvant. Et puis aussi, je crois, c'est des infusions de vie, ces livres, y compris ceux sur la guerre. Hein, ces livres de nature sont des infusions de vie. On vit mieux en lisant Maurice Genevoix. On voit mieux les choses. On les sent mieux, on en jouit davantage. Il y a chez lui, ce n'est pas un maître, c'est un initiateur. C'est un accélérateur. Il augmente votre appétit des choses et il augmente votre capacité à en jouir. Moi qui suis tout seul, moi qui n'ai ni champ ni famille et qui pourrais dans une brouette emporter mon avoir de gueux, qu'ai-je été bâtir ma hutte parmi les osiers rouges, là où je sais que reviendra la Loire. Il leva lentement les deux mains, les laissa retomber sur ses genoux, et très bas. C'est que je l'aime, murmura-t-il. Je l'aime pour la beauté dont elle comble mes yeux, pour les courbes molles de ses rives, pour les grèves ardentes que le soleil fait trembler, les grèves mauves à l'ombre des osiers, les grèves bleues sous le clair de lune, pour la vive fraîcheur des courants qui dansent sur les galets roux, pour le mystère glauque des mouilles et pour les ablettes d'argent qui sautent près des bateaux lavoirs. Je ne suis qu'un vieux fou, tu le sais, sans talent, sans courage, un de ceux que les travailleurs de la glèbe et des bourgs ont raison d'appeler « bon à rien ». Que n'ai-je le pouvoir magnifique d'animer mes visions et mes rêves ? Maintes fois j'ai cru voir, à l'image d'un clair visage de femme, sourire le visage de la Loire. J'ai rêvé, dans un bloc de marbre blond, de hanches souples et de seins aux belles courbes. Alors j'aurais voulu, en poignant le ciseau et le maillet, tailler fougueusement dans la pierre, et voir devant mes yeux, comme un jeune miracle, surgir la forme de mon rêve. Las, je l'aurais reconnu et j'aurais dit « c'est la Loire », dans l'instant que déjà, ce n'eût plus été elle, à peine, captif, triste, enseveli dans sa gangue de marbre, une palpitation de mon rêve. Sur la clairière, près des guitous, nos toits roux de feuilles mortes, nous nous étions couchés les uns auprès des autres. Le sol était moite sous nos corps, le soleil nous chauffait la peau. Vers l'est, le roulement des canons se gonflait dans le ciel, croulait, montait, croulait encore. Tout près, une batterie de 120 cognait l'air bleu à coups de trique énormes. Et lorsqu'elle se taisait, des pinsons pépiaient dans les branches des noisetiers. Le printemps nous battait dans la chair. Je regardais à travers le taillis le poudroiement lumineux des jeunes feuilles, les chatons fauves de pollen. Je regardais les yeux de Galibert, trop brillants sous un voile mouillé, la main de Dast qui cherchait à son flanc la chaleur grasse du terreau. Il a arraché une pousse d'herbe neuve et nous l'a montrée en disant « Ça, c'est de l'herbe ». Galibert ne bougeait plus, appuyé sur ses paumes, le visage tourné vers le sol. Les yeux attentifs et durs, il semblait regarder quelque chose. Toujours couché, je me suis traîné jusqu'à lui, et j'ai vu sur une pierre éclatante de soleil deux insectes bleus accouplés. Maurice Genevoix ne fera jamais le deuil de la guerre, mais il ne la ressassera pas non plus. Elle fait partie de lui. Le présent, le passé, demain, tout demeure intact,
et ne demandent qu'à être. Il n'y a pas de frontières. Parce qu'ils sont là, malgré la mort qui les a arrachés à leur jeunesse, ses camarades l'ont porté sur les chemins de la vie et l'ont incité à écrire avec ses tripes, voyageant au gré de sa sensibilité seule, entre les souvenirs, le présent et l'imaginaire, tous ensemble. Et il a pu alors poser chaque mot sur les choses et la vie. Ainsi, j'ai découvert dans la dernière Harde la première expérience de la mort vécue par l'auteur sur la crête des Éparges, un vide sidéral dont il reparlera souvent. Les bêtes se reprirent à tourner, au hasard, toutes visibles entre les colonnes des arbres. Et les fusils claquaient dans la pureté de l'air. Des flocons de fumée, un jet de flamme au cœur, éclosaient à la rive des allées. Une des biches bêlait en renversant la tête, encensait brusquement et s'effondrait de toute sa longueur. Son mufle entrait dans l'herbe sèche et la faisait bruire avec un chuintement soyeux. D'autres continuaient à courir, une patte pendante, bientôt zébrée de ruisselants filets rouges. D'autres, s'affalant d'un bloc, rebondissaient à demi dans leur chute, et leur ventre tremblait en heurtant pesamment la terre. Il montre que le principe de toute chose, le principe du monde, c'est la vie. Voilà. Que la mort n'est qu'un accident de la vie, n'est qu'une variable de la vie. Il n'y a pas deux forces qui s'affrontent et l'une qui gagne à la fin, la mort, mais il y a une seule force, la vie, et la mort n'est qu'un aspect de la vie. Des chevrotines ronflaient comme des guêpes, ricochaient avec des miaulements contre un caillou, un nœud de bois. Une femelle encore se débattait et ruait, couchée, la joue appuyée sur la terre et s'y frottant d'un mouvement régulier. Une caresse étrange et rude qui endormit et calma un peu les affres de son agonie. Le rouge, pas une seconde, ne s'était détaché de sa mère. Il courait sans fatigue, les jambes souples, mais stupéfiées, le cœur en désarroi. Il ne démêlait rien dans les féroces rumeurs parmi lesquelles tournait sa course machinale. Même les coups de fusil ne le faisaient plus tressaillir. Il allait, anxieux seulement de ne point quitter sa mère, de retrouver à chaque foulée la chaleur de son large flanc. Et tout à coup, alors qu'ils franchissaient ensemble un fossé près de la lisière, il avait senti contre lui un vide glacial, extraordinairement profond, qui le suivait dans son élan. Aussitôt, il s'était arrêté, désemparé, déjà orphelin, cherchant des yeux sa mère disparue. La biche était dans le fossé, allongée, les pattes jointes deux à deux et parcourue d'un léger frémissement. Elle avait à l'épaule, dans l'épaisseur des muscles, un trou rouge où le sang bouillonnait. Lorsqu'elle aperçut son petit, elle tordit lentement le col, souleva sa tête vers lui en un geste douloureux et tendre. Mais sa tête ne s'éleva qu'à peine, retomba aussitôt sur les feuilles mortes et la mousse. Le hare vit ses yeux se voiler, se ternir d'une ombre bleuâtre qui noyait très vite leur regard. Cette ombre les prit tout entier, ouvert encore, mais vide, affreusement absent désormais. La vie, la mort, la joie, la souffrance, l'amitié. Maurice Genevoix était. Depuis tout petit, il posait un regard attentif et tendre sur les personnes, les animaux, la nature et les choses qui l'entouraient. Chaque détail comptait, et il ne fallait rien laisser au hasard. Ce sens inné de la précision nourrissait ses livres, et me comblait, m'éveillait, m'aidait à grandir. Cette curiosité boulimique l'avait transporté d'âge en âge, d'expérience en expérience, de l'école au collège, au lycée, à l'école normale supérieure, puis à la guerre. De la guerre à l'Académie française et de l'Académie à l'écriture permanente, enfin. Une seule quête semblait avoir guidé mon ami, celle d'une enfance éternellement renouvelée, d'une enfance intérieure que l'on protège comme un joyau, indestructible. Une enfance qui rend libre, sans concession, juste libre.
Lorsque Sylvie m'avait parlé de son père tant aimé, c'était toujours ce mot de liberté qui revenait sur ses lèvres, comme un inestimable trésor. Adieu, Sandrine. Il s'était évadé d'un seul coup. Il respirait dehors, à longues goulées, un air si abondant et si vif qu'il en suffoquait un peu. L'air lui entrait au plus profond de l'être, coulait avec son sang, baignait chacune de ses fibres. C'était comme une ivresse, une folie légère qui le soulevait tout entier. L'allègement d'un cauchemar qui vient de passer, qui n'est plus. La lune haute laissait ruisseler aux pentes du ciel d'amples ondes de clarté huileuse. Les champs moissonnés, les labours ondulaient avec une souplesse retenue et qui semblait aux yeux une sorte de toucher velouteux. À leur limite, les taillis s'étendaient, épaississaient leur masse profonde en vagues confondues que l'on sentait déferler très loin. Alors, on a beaucoup souligné sa capacité à décrire. Hein. D'ailleurs, on faisait des dictées de Maurice Genevoix et on nous montrait Maurice Genevoix en exemple parce que lorsqu'on était à l'école primaire, il s'agit de faire des rédactions où on allait décrire les choses. Donc, Maurice Genevoix était un maître et un modèle. Effectivement, il l'était. Mais je crois que c'est une approche un petit peu, évidemment, superficielle que de le voir simplement, sa capacité à décrire. S'il a cette capacité à décrire, c'est qu'il a une capacité à sentir exceptionnelle. Une capacité à voir au-delà et plus que nous ne voyons. Ça, c'est décisif. Et le miracle qui fait le grand écrivain, c'est que cette capacité à sentir, qui est celle du braconnier, Rabolio, hein, eh bien, elle est celle d'un très grand écrivain, c'est-à-dire d'un très grand manieur de la langue. Et donc, il a à la fois la capacité à sentir et la capacité à restituer. Beaucoup d'écrivains n'ont pas cette capacité à sentir, surtout sentir au sens propre du terme, c'est-à-dire ne pas intellectualiser, mais sentir avec son corps, avec tous ses sens, deviner, voir à travers les choses, comme le braconnier. Hein. Eh bien, lui, il l'avait, et en plus, c'est un grand esprit et un grand manieur de la langue. Sûrement, dans la clarté du ciel, la buée caressante s'épandait. Un voile de buée qui tamisait enfin ce rayonnement impitoyable et qui bientôt effacerait sa terrible splendeur bleue. Il respirait, confiait sa chair à la douceur d'un repos absolu, poignant à force d'abandon. C'était fini désormais de lutter, de se raidir contre le monde hostile. Une attente commençait, qui ressemblait à celle de la terre et de l'arbre, qui s'abîmait dans l'harmonie des choses. Et toute angoisse se déliait en elle. Toute fatigue s'en allait. Quand me menace la fatigue, le désenchantement ou la nostalgie trop poignante d'une absence, je relis les pages qu'il écrivit sur sa mère, dont la mort fit de lui, à 12 ans, un orphelin déchiré. C'est elle qui m'a rallié, consolé peu à peu par mes rêves éveillés et mes songes de la nuit. C'est elle qui, patiemment, tendrement, m'a délivré du désespoir et de la sécheresse du cœur, qui m'a guidé vers une paix sans oubli, consentement à un monde où la mort ne peut rien contre ceux qui se sont aimés.
C'est cette sagesse, cet amour-là que je voudrais aujourd'hui transmettre à tous ceux qui vont lire ou relire Maurice Genevoix. Pour qu'ils se persuadent, en ces temps plus que jamais difficiles, qu'il fait bon vivre et que le monde est beau à condition de savoir le contempler et que ses livres peuvent nous y aider. Et pour qu'il sache de la vie ce qu'il en disait, lui qui en avait connu les horreurs comme la beauté, elle est une fête grave et belle, pleine, riche, inépuisable, soulevée par une force d'enfance éternellement renouvelée.